donc bientôt 17 ans maintenant que nous parcourons l'ensemble du département pour organiser ce type de manifestation dans les clubs amateurs de l'Aube. C'est la première fois que nous nous rapprochons d'une entité privée, d'un partenaire qui a souhaité se rapprocher de l'Estac pour pouvoir communiquer sur les mêmes valeurs, les valeurs de fair play, les valeurs de respect, de travail, d'humilité, qui sont les socles que nous arborons sur l'ensemble de nos manifestations avec les jeunes. Et donc c'est tout naturellement qu'avec l'ANDRA, on a décidé d'organiser ce type de manifestation et de réunir nos compétences, nos moyens, nos envies autour d'une après-midi consacrée aux jeunes. Donc on va remercier aussi le club du Nord-Est au Bois, à Brienne-le-Château, de nous recevoir, la municipalité, qui nous met à disposition ces belles installations sous un beau soleil. Donc on est voilà, très très heureux de partager ce moment avec notre partenaire l'ANDRA et puis la collectivité qui nous accueille aujourd'hui. La première fois que l'ANDRA permet cette délocalisation d'événements sportifs sur les territoires d'accueil. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui nous intéressait, hein, de faire venir un petit peu l'Estac localement. Après, eh bien, voilà, il y a l'aspect sportif évidemment qui reste intéressant quand on voit un petit peu les jeunes là, qui courent autour de nous. C'est, voilà, on sent qu'ils sont pris par les différents petits jeux, au-delà du football aussi. Et puis, encore une fois, les valeurs de discipline, de respect de l'adversaire, l'aspect apprentissage également, ou goût de l'effort, c'est aussi des vertus qu'on peut retrouver dans le monde professionnel. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent faire un parallèle tout à fait adapté.